on est bien là. Ça va pour l'instant? Ah ouais, ça peut que aller là. Bon, ça commence à être un peu gras là, on a fait 2-3 godets, mais bon, ça fait. Il se met en 4 roues automatiquement, je ne savais pas. Ouais, comme les 900. Le bouton, ouais, mais je sais jamais combien de 900. Il y a de la souplesse, surtout le siège, c'est le Eris Titanium. Et c'est disponible que sur les Fed 700 pour l'instant. Bon, bah, je te remets en place et je te laisse ta place. Ben allez. Le frein masque automatiquement. Ça, c'est top. Top. Bon Loïc, tes premières impressions, rayon de braquage je pense déjà. C'est impressionnant. Franchement c'est bluffant. Tu dis sur un tracteur de 300 chevaux réussir à braquer comme ça, c'est digne d'un 500. Ouais c'est ça. T'as pas l'impression d'être dans un tracteur de 7,5 aussi. Franchement. Je pense que c'est un tracteur qui va être apprécié pour la polyvalence quand tu vois avec chargeur. Bah je sais pas, mais chez nous dans l'ouest il y a pas mal d'entreprises et de Cuma qui chargent les épandeurs aux chargeurs. Ouais, ouais c'est ça. Et avec des tracteurs de franc gabarit quoi, des 250 châssis courts, tout ouais. Ça. Bah là t'arrives sur un 700 châssis intermédiaire avec un gros chargeur comme ça. Tu m'étonnes. Et pesée dynamique et tout, bah, ça fait quelque chose d'assez sympa. Eh bien voilà, comme vous l'avez vu, on a pu essayer avec Hugo le 724 Gen 7 au chargement. Bon, Hugo avait un peu plus l'habitude que moi, ça c'est sûr. Après, on a pu échanger un petit peu rapidement autour du tracteur, voir un peu ensemble. Et là, on vient de faire quelques vues de route. On est à la deuxième benne. Il y a Romain qui a roulé tout à l'heure pour que je puisse faire un petit peu de vue également au drone et qu'il puisse quand même essayer cet ensemble avec une benne chargée derrière. Là, j'ai repris la main. On est sur la dernière benne. On va arriver au tas avec Hugo. Je vais lui demander un peu son ressenti sur cet ensemble et sur ce tracteur. Et puis après, vous verrez, Hugo, il va aller chercher un des chômeurs Bonnel pour mettre derrière son 728. Et moi, je referai une petite benne de fumier en attendant. Et on fera quelques vues ce soir pour finir le chantier de déchômage. On continue, on va retrouver Hugo juste après quand on arrivera au dépôt. On va aller voir Hugo tout vite avant de mener.
On vous a aidé la route? Ouais, ouais, impeccable. J'avais mis un petit massage pour essayer. Bon, ouais, bah ouais, nickel. Enfin, ça tire, hein. Ouais. Du temps, on est parti à zéro. Ouais. La côte. Impressionnant. Le silence en cabine, ouais, ça me scie. Ouais, confort, et puis, bon, il est coupleux à bas régime, quoi. C'est ce que j'expliquais, je t'ai fait une vue. Il est coupleux, sans monter dans les tours, il y a du couple et il croule pas. Ah ouais, c'est bête. Bon, du coup, pour continuer la journée, tu vas aller chercher le défaumeur, okay. Le bonnel. Moi, je refais une benne, prends le temps. Okay. Et puis, bah, on se rejoint dans le fond de la vallée. On se rejoint dans le fond de la vallée et puis on benne ça, puis on ne sait pas. On se retrouve tout à l'heure, ça va? Ouais, bah, tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Allez, on va décharger. Je vous montrerai tout à l'heure un petit menu que Romain m'a préparé. On lève la porte. Hugo pareil à côté, j'espère que Zach va nous faire des beaux plans en drone. On met la prise de force, double clic. Ça devrait y aller. Ça y va. Les deux bennes qui se lèvent en même temps, ça claque. Je vais prendre la caméra. Donc là, ce que je vous parlais tout à l'heure en cabine avec la GoPro rapidement, Romain il a fait un petit menu aussi bien pour celui du GoPro pour le mien. Donc là, le modèle La Campagne, il l'a nommé avec Loïc à côté. Et regardez les distributeurs, regardez le nom des distributeurs, descente, benne, porte, au moins on est sûr de ne pas se tromper avec nos différents débits, nos vitesses, nos pressions, enfin tout ce qu'il faut pour les menus hydrauliques. Donc ça permet vraiment d'être au top, de savoir quelle couleur et sur quel joystick, on est sûr de ne pas se tromper au moins. Donc ça, c'était vraiment, c'est vraiment pratique. Bon voilà. Pendant que Hugo est parti chercher le déchaumeur, on va aller refaire un petit tour en cabine avec Romain, pour qu'on puisse reprendre le volant, refaire une petite benne de plus, et après on rejoindra Hugo dans la parcelle, c'est juste à côté derrière. Bon Romain, on va recharger une petite benne en attendant Hugo. Petit changement de programme, c'est pas un déchaumeur qui va chercher, c'est un vibro. Un petit vibro. Ouais. Bon, c'est histoire de mettre quelque chose... Oui, et puis aussi là, ici le client, même si on avait eu le bonnel, on n'allait pas piocher profond parce qu'il souhaite juste reprendre la terre en surface, donc le vibro ça fera très bien. Avant le suite, vibro très bien le travail. Bien. Ok. Là, tu as réussi à prendre un bon godet. Là, il y a un bon godet. On disait ce matin avec Hugo, peut-être des masses de roues. Ah, des masses de roues, ça sera un vrai plus au chargeur, c'est sûr. Après, c'est hyper confort, ça change pas. Et ça. Puis, mais, après, là, ici, vois, là, on n'a qu'une tonne 2 sur l'arrière. Oui, c'est une petite masse, on a la masse d'une tonne 8 aussi qui se vend sur le 700 Gen 7. C'est ça que je voulais te demander. Je trouve le cavage hyper mou. C'est réglable ou... Ah oui, voilà, tu dois être sur un très faible débit en fait. Dans le menu hydraulique, tu vas pouvoir régler le débit sur le cavage. En fait, le tracteur en 700 Gen 7, tu peux avoir jusqu'à 10 distributeurs. Dont les trois de chargeurs indépendants. Purée, c'est réparé. Okay, et là, tu trouves. Ça, c'est levé, descendre, donc ça, c'est bon. Exactement. Ah, bah, mais 20 litres. Oui, 18 litres. C'est Hugo. Tu pensais quoi, mettre quoi? Pour 65 litres, je pense que tu vas déjà être pas mal. Après, si... une fois que tu auras bien le tracteur en main, tu pourras monter un peu plus. Histoire 2. Ah, bah oui. Là, ça change. C'est mieux. C'est vrai que ça manquait un peu de nervosité. Autant, ouais, rapidité, montée, descente, c'était top, mais déjà ce matin, je me disais, c'est un peu mou. C'est juste une histoire de réglage. Impeccable. Là, je vois que tu passes l'inverseur à gauche, Loïc. Ouais. Tu l'as aussi sur ton joystick 3L. Après, tu as l'habitude à gauche, certainement. Ici, l'inverseur. Et tu as même la même fonction stop and go. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le tas, tu peux maintenir appuyé le bouton. Le tracteur ne bouge plus. Tu remplis ton godet, bennage, cavage. Et dès que tu relâches, il repart dans le sens opposé. Donc, je te laisse essayer si tu le souhaites. Ok. C'est vrai que là, bah, là au chargeur, j'ai fait. Oui, c'est intuitif. Main gauche, inverseur. Donc là, j'arrive dans mon tas. Tu veux faire une latence, tu presses sur le bouton, tu remplis ton godet en cavant, en bénant. Et là, si on lâche, il repart dans l'autre sens avec ta pédale, évidemment. Excellent. C'est la fonction stop and go. Juste une impulsion ? Juste une impulsion, il va repartir dans l'autre sens. Si tu le maintiens pressé, tu as la fonction stop and go, on la connaît depuis des années à gauche, et maintenant on l'a sur le joystick 3L depuis Fentone en 2019-2020. Ça l'arrête.
je maintiens. Tant que j'ai beau accélérer, ça fera rien. Exactement, donc tu peux même... Ça revient un peu comme sur un télesco où tu maintiens le pied sur le frein pour mettre tes gaz. C'est un peu l'idée, ouais. Tu peux, t'as une latence, tu peux accélérer. Sur là, ça repart dans l'autre sens. Ok. Impeccable. Ouais, donc là, du coup, devant la benne, je vais pouvoir le faire aussi. Parce que tout à l'heure, je cherchais à vouloir mettre un peu de gaz. Et puis après, comme tu l'auras constaté aussi ici, même si on n'est pas en travail de traction, tu es sur une plateforme au fumier, c'est un peu gras. Tu t'es jamais posé la question de mettre le pont avant. Non. 4 roues motrices, transmission vario drive. Automatique. Il n'y a pas d'engagement du 4 roues motrices nécessaire. Le tracteur, il gère ça de lui-même. Donc, Ça devient chose commune et récurrente avec les 900 et les 1000, ça. Exactement, on connaît depuis quelques années. Ah, je pense qu'une fois qu'on aura pris le pli d'inverseur, ça se fait bien. C'est même pas mal du tout. Parce que là, derrière, c'est quoi? C'est censé être quoi? C'est pour changer tes trois niveaux si tu veux faire de l'isobus ou... Là, t'as trois fois un joystick. Donc là, je suis sur l'étage où c'est le bleu, le chargeur et tout. Si je me mets là, je peux réaffecter des trucs. Pas là, parce qu'il est en mode chargeur, mais si tu enlèves ton multicoupleur, tu peux faire des fonctions isobus sur toutes ces touches-là. Tu maintiens ta gâchette à nouveau, toutes les fonctions isobus-là. C'est 27 au total, en fait. Ou même en hydro, hein, si tu veux, ton disque rouge qui s'affecte ici, ouais. Et que quand tu tiens la gâchette en haut, ça soit le jaune, ça passe en fait, tout ça. Donc là, juste avec la gâchette guidée, avec les trois positions. Faut la maintenir, par contre. Faut la maintenir, ouais. Ok. Et donc tu pourras avoir le jaune avec les 8 positions. Exactement. Après, en fait, sur rien que tout ça, tu contrôles énormément d'hydraulique. D'hydraulique ou d'isobus, puisqu'il est compatible isobus. Et après, tu peux revenir à tout moment en réglage usine Fendt. Donc là, tu vas retrouver l'affectation avec l'inverseur, mettons, ici. Ok. Ok, c'est génial. Ça va super bien sous la main en plus. Bon Romain, je vais te laisser reprendre le volant, que je refasse quelques prises de vue. Zach en a déjà fait pas mal je pense, mais j'ai ressorti mes caméras, ça me manque un peu de filmer les nouveaux 700. Donc je te laisse la main pour remplir cette dernière benne. Pas de soucis, c'est la dernière, de toute façon, encore quelques godets et puis c'est parti. Eh ben allez. Chercher le 700 avec le vibro. Le vibro, Hugo il était un peu impatient, il a pas pris soin de retirer les masses, surtout les masses de roues. Là, le vibro c'est assez léger. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas besoin si, à la fois. Si on optimise le tassement, là il doit avoir le varigrip à 700-800 grammes, mais ouais. Il aurait pu aussi enlever les masses. On est sur une petite parcelle. Oui, bah, c'est histoire d'avoir un peu d'image et puis d'essayer quand même un peu au champ. Quoi. Exactement. Bon, impec, je vais aller faire un tour, il reste quelques longueurs. Puis on recroisera, c'est du vibro, c'est pas. Oui, pas dramatique. Un deuxième passage, ça va. T'as quoi comme info à nous donner un peu sur le travail au champ, quelques données? Quelques données, bon, si je reprends sur le variogrip aussi, il y a une chose importante avec le variogrip, déjà le système, bon, il est 100% intégré, ça tout le monde le sait, hein, depuis qu'on l'a intégré en 2014, ouais, il n'y a aucun tuyau qui dépasse. Et après, surtout, ce qui est important, c'est d'avoir un compresseur adapté sur le tracteur, et c'est le cas chez nous. Si on choisit l'option variogrip, on double grosso modo la taille du compresseur et on passe sur 628 cm3, donc uniquement pour brasser de l'air sur le tracteur, que ce soit pour le système de freinage évidemment et pour les pneumatiques. Ouais. Ok. Donc voilà, après ça se pilote toujours du bout des doigts dans le terminal, on a un menu dédié, mode champ, mode route, c'est assez simple à prendre en main, je pense que tu as pu le voir. Bon, ça marche. Bon, je vais te remplacer 5 minutes, essayer quand même. Bon, vas-y, c'est prêt. Romain, tu viens avec moi? Eh ben c'est parti. Allez. Je te passe devant Loïc, vas-y. Je vais te montrer rapidement les paramétrages. Si on active l'option qu'on appelle tiller de land chez nous, le tracteur va faire demi-tour automatique tout seul. Au bout du champ, okay. On aura juste à le regarder faire, contempler le paysage. Donc là, je te l'active ici, ouais. En mode full auto. On a une séquence bien sûr qui a été créée qui va te lever ton outil, ouais. Quand on passe la ligne de fourrière, et aussitôt, le tracteur va tracer le schéma. Là, c'est le mode ce qu'on appelle parse field, c'est-à-dire que tu vas pas aller rechercher le passage après, mais 2-3 passages plus loin. Ok. Et ce sera la même chose à l'autre bout, et on a un circuit continu pour toute la parcelle. Et il va ralentir tout seul au bout. Mais si t'as paramétré ta séquence de bout de champ pour qu'il ralentisse, il va ralentir. Sinon, bah là, si tu es en mode pédale, c'est toi qui gères la pédale. Donc là, j'arrive au bout, j'ai rien à faire, t'es sûr? J'arrive au bout, le bip bip de fourrière, ton outil se relève, toi tu contrôles la vitesse parce que t'as pas, là, t'as pas pédale, été jusqu'à mettre le temps, ouais. Le tempomat. Là, bah, tu vois bien, tu touches pas le volant. C'est là, incroyable. On passe quelques passages. On passe, ouais, 2-3 passages. On voit de toute façon sur le terminal le dessin. Là, tu ralentis à la vitesse qui va bien pour le virage et lui il va rebaisser ton vibro tout seul. Et ça remet dans la ligne de fourrière. Et c'est parti. Et quand ça bip,
qu'est-ce que c'est que ça descend? C'est royal ça quand même. Parfait pour admirer le paysage. Parfait pour admirer le paysage ou le beau 818 que tu nous as ramené tout à l'heure. Sous un coucher de soleil, exactement. On a vu quand Hugo y conduisait d'ailleurs ce beau 818. Oui, tracteur innovant à l'époque. Hein, la philosophie a en fond, dans le fond, pas changé sur ce point. Toujours des tracteurs très innovants. À l'époque, un 818, c'est en 93, tracteur dans certains pays 50 km/h. Ouais. Pont avant suspendu, cabine suspendue. Et aujourd'hui, bah, là-bas 818, 728. Choc des générations. Vario Drive, régime lent. Voilà. Tout ce qui va bien. Toujours, toujours le côté innovant de la marque. Je pense qu'on va aller ramener ces beaux ensembles aux clients pour finir cette démonstration correctement. Pour qu'il puisse lui vraiment le prendre. Essayer un peu plus que c'était spécial à nous aujourd'hui. Et, mais... et aussi avec des outils qui demandent un peu plus en capacité de traction. Non, bah, pour un 728. On va aller revoir Hugo et puis on va voir ce qu'on dit, si on repart à la ferme tous ensemble ou quoi. Bah, ça marche. En effet. Même le design a changé. Beaucoup d'évolution. Ouais. 14 000 heures, c'est incroyable. 14 000 heures, masse avant d'origine Fendt. Lui, il a le pont avant suspendu, on le voit ici. Ouais. Sur le shift, la transmission, juste avant celle des 900 avec la Vario. Vraiment, le design, c'est excellent. On va après. Nickel. Bon bah voilà les gars, fin de cette deuxième journée de démo pour nous, ouais. Et la dernière. J'espère que ça vous aura plu. Ah bah oui, c'était bien sympathique en tout cas. On merci a vu... d'avoir pensé à nous. C'est clair, c'était l'occasion, on est ici, je sais que c'est pas tout proche de chez vous. Non. La Bretagne c'est loin. Les Vosges c'est loin. Mais bon, ça vous a permis au moins de voir un peu ce que ça donne. C'est clair. C'est ça. Salir les premiers crampons sur les 700 Gen 7 sur le sol français, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. On va laisser le client maintenant... essayer ça, les nouveaux 700 ouais, demain. On pourra l'essayer un peu plus tranquillement et puis avec d'autres outils dans d'autres situations. Ouais. Et puis vous, on va vous laisser continuer cette saison de démo qui commence seulement du coup. Exactement. Et bon courage à vous et. Une belle saison en perspective. Bon courage à vous et votre réseau de distributeurs pour tout ce qui vous attend pour le printemps. Et bien merci les gars. Bah, merci à toi Romain. À bientôt. Merci. Salut Romain. À bientôt. Ouais. Et bonne route. Salut Hugo, bonne route.